السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونسوار ا توتي ادوس دون نوتر سانكيام لسون انتيتولي تعلم العربية مع حرف وجملة. ابخوندر لغاب افيك اون لاتر اون فراز. احبتي الكرام، بعد هذا الغياب الطويل نستأنف دروسنا لتعلم اللغة العربية مع طريقة الخاصة المعنونة ب تعلم العربية مع حرف وجملة. اليوم إن شاء الله مع الحرف حاء، مع الحرف حاء. Aujourd'hui, on va apprendre la lettre حاء. La lettre حاء. Je lis et je relis. Et essayez de répéter après moi, s'il vous plaît. Ta, a, la, mi. تعلمي. العربية. العربية. تعلمي العربية. هذا رقم 5. سي لو نيميرو 5. دو بوان. مع. مع. حرف مع حرف و جملة وجملة. Donc puisqu'on a un point à la fin de cette phrase, donc on n'a pas obligé de prononcer tin. Donc on peut dire tout simplement وجملة. C'est comme on prononce elha à la fin. Je répète. تعلم العربية مع حرف وجملة. Apprendre. Apprendre. C'est bien sûr c'est le verbe تعلم. تعلم. Apprendre. Et si j'ai mis le verbe apprendre à l'infinitif, parce qu'en français on peut utiliser l'infinitif pour l'ordre, mais on peut dire aussi apprenez ou apprend. Si on parle avec un masculin ou un féminin singulier, on dit apprend. Si on parle au pluriel, donc on dit apprenez avec vous, donc à l'impératif. Apprendre l'arabe. Apprendre l'arabe. Une lettre. Plus une phrase. Donc, le verbe apprendre, ça veut dire ta'allam. Pardon? Ta'allam. L'arabe, c'est al-arabiya. Al-arabiya ou bien la langue arabe. La langue arabe, al-lughatu al-arabiya. Ma'a. La préposition ma'a en arabe, ça veut dire avec en français. Avec. En anglais, on dit with. With. Harfin, harfin, une lettre, une lettre, ça veut dire harfin. J'ai mis la même couleur pour que ça soit facile et clair pour vous. Wa, la préposition wa, je pense que la plupart des étudiants connaissent cette préposition wa. Et, 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 ou en anglais on dit and. Jumla. Jumla, une phrase. Une phrase. Je répète. تعلم العربية مع حرف وجملة. Apprendre l'arabe avec une lettre et une phrase. الدرس. الدرس. الخامس. الدرس الخامس. Puisqu'on a deux points. Ce qu'on appelle la ponctuation. Donc on dit ad-darsul khamis. Donc sans utiliser ou sans mettre l'accent ou la voyelle courte. Ad-damma. On dit ad-darsul khamis. Harfu. Lettre. Harfu. Harfu. L-ha. Harfu l-ha. La lettre ha. Ça s'écrit comme ça. La lettre ha s'écrit comme ça. D'accord.
Alors, on continue. Je lis la phrase. Ha, ha, sa, da. Ha, sa, da. Ha, sa, da. Le verbe récolter, récolter au passé composé en français. الفلاحو الفلاحو agriculteur ou الفلاح on utilise الفلاح en français aussi الفلاحو الفلاحو هكتارن هكتارن مينا مينا ال قمح من القمح حصد الفلاح هكتارا من القمح فيرغول ثم ثم on a déjà vu la lettre fa dans les leçons précédentes ثم دحرج ثم دحرج على على سنابله سنابله ن ن ورج نورج je répète ثم ثم دحرج على سنابله نورج puisqu'on a le point à la fin de cette phrase aussi c'est la même chose on dit نورج sans montrer le fetha avec la lettre jim à la fin on dit نورج c'est comme on a le sukun ou la sukun sur la lettre jim je répète la lecture de cette de ces deux phrases حصد الفلاح هكتارا من القمح ثم دحرج على سنابله النورج حصد الفلاح هكتارا من القمح ثم دحرج على سنابله النورج Si vous avez remarqué, j'ai mis ha. Donc ça s'écrit comme ça, si on écrit la lettre H au début d'un mot, ça s'écrit comme ça, attaché avec la lettre suivante, H, H, donc H, la lettre H avec la voyelle courte, le fetha, ça se prononce H, H, c'est comme on a la lettre H plus A, et ça se prononce H. Le fellahu. On a la voyelle courte, dhamma, la dhamma sur la lettre ha et ça se prononce ho. Ho. Et ça s'écrit comme ça. Ho. Et aussi, la lettre ha à la fin d'un mot, ça s'écrit comme ça. D'accord? L'qamhi. L'qamhi. On a la lettre ha avec la voyelle courte, l'kasra, et ça se prononce hi. Hi. Et ça s'écrit comme ça à la fin d'un mot. Hi. Dahraja. Donc on a la lettre au milieu d'un mot. Ça s'écrit comme ha au début d'un mot. D'accord? Au début et au milieu, ça s'écrit comme ça. D'accord? Dahraja. Dahraja. Donc h, h, h. Donc sukun sur la lettre ha. Ça se prononce H. Je répète la lecture de ces deux la lettre H avec les voyelles courtes. H avec le fetha, H avec dhamma, H avec le kasra, H avec sukun, H. H, 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 H. Je répète la dernière fois la phrase ou les deux phrases. حصد الفلاح هكتارا من القمح ثم دحرج على سنابله النورج ح
حصد a récolté. A récolté, le verbe récolter au passé composé. الفلاح l'agriculteur, hectare un hectare, mina deux, c'est la préposition deux, القمح le blé, donc l'agriculteur a récolté un hectare de blé. ثم ça signifie ensuite ou bien puis. ثم دحرج c'est le verbe rouler au passé composé. Puis il a roulé على la préposition على sur سنابله 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 les épées pluriel du mot épée en français سنابل au singulier en arabe on dit سنبلتون سنبلتون ça s'écrit comme ça je vais essayer d'écrire le mot سنبلة سو سن بو لا تون سنبولة تون سي لو سنغولييه دو مو سنابل جي ايساي دو كونتير لو مو بور اتر كلير بور فو سنبولة تون سنبولة تون سي لو سنغولييه دو مو سنابل 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 فوالا سنابل هي سي لو بوسيسيف سنابل كي سنابل الفلاح سنابل كي لي زيبي دو كي لي زيبي داغريكولتور داكور النورجه النورجه سي جو مي ترومب با سي تون باتوز سي تون باتوز سي تون ماشين اغريكول agricole servant à battre les céréales pour séparer le grain de la paille et de la balle. D'accord? Alors, hasada c'est le verbe, le fellah c'est le sujet. Il a récolté quoi? Hektaran. Hektaran c'est le complément d'objet direct. De quoi? De blé c'est le complément d'objet indirect. Thumma ensuite daharaja. Daharaja c'est le verbe à rouler. Le verbe rouler quoi? C'est composé. Qui roulait, qui a roulé, c'est l'agriculteur, bien sûr. Il a roulé quoi? Nauraja. Nauraja, c'est le complément d'objet direct. Ala sanabilihi, c'est le complément d'objet indirect. J'espère que ça sera clair et facile à comprendre et à apprendre. Et si vous avez des questions, bien sûr, toujours je suis là à votre disposition entière. Je vous remercie, mes chers étudiants, de m'avoir suivi. Et de m'avoir encouragé. Et à la prochaine fois, c'était votre sœur qui vous aime et vous respecte beaucoup. J'attends toujours vos commentaires, vos critiques et vos propositions. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.